Ce week-end a eu lieu le Chaillot Château, sa 3e édition, qui a été créée par les colorieurs. Et ça a été un très bel événement. Et puis, encore une fois, le soleil était parmi nous. Cette association a pour but effectivement de mettre en valeur ce patrimoine caché qu'est le château de Gévinger. Et à la base, c'est un château qui est dédié aux colonies de vacances. Et nous, on a voulu l'ouvrir au public jurassien pour mettre en valeur ce patrimoine. Et à travers ce patrimoine, on fait vivre des ateliers ludiques, du cirque, on fait des découvertes au gré des balades du château. C'est le jeu des petits chevaux. Il a été réalisé dans le cadre d'une colonie de vacances par des adolescents qui ont préparé tous les jeux pour les enfants sur le festival. On devait faire plusieurs jeux avec des matériaux de récupération pour faire une kermesse justement pour l'espace ludique qui est ici du Chahut. Et donc avec des copains, on a construit ça, tout ça de nos propres mains et en recyclant. Je présente le cabaret de poche. C'est la reproduction des toits de Paris en miniature. Et au centre, il y a le Moulin Rouge avec le toit qui se soulève. Et on découvre la salle de spectacle tout en miniature avec des petits personnages qui applaudissent. Tout est en pâte fimo. J'ai tout fait pratiquement à 99%, même le design extérieur du chapiteau. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres animations. C'est tout un ensemble. Moi, comme ça, je trouve que c'est vachement sympa. Là. Tu veux pas changer au mieux ? Maintenant, venez, vous êtes à l'espace nature, tout au fond, au pôle nature, où là, il y a un certain nombre de gens. Alors, ça fait des constructions en bois, ça lit des livres dans les hamacs. C'est un petit peu une colonie géante, puisque en fait, on y déambule et on est pris au gré des balades par des animations et des activités. On a même un hymne, l'hymne du Chahut au château, qui est arrivé depuis le premier spectacle qu'on a fait il y a 3 ans. Et les colons, en fait, effectivement, qui sont sur la colonie, qui ont monté un projet pendant 10 jours, alors cette année avec Thomas Sidibé, mais chaque année, ils montent un projet pour faire une petite animation. Et ce qui est magique, c'est que c'est des colons qui sont à l'aube d'être adultes, d'être majeurs. Et c'est des colons qui reviendront en tant qu'animateurs et donc en tant que bénévoles sur le Chahut au château. Et ça, c'est assez magique.